La famille, que se passe-t-il réellement à Koursk et pourquoi cette attaque maintenant? L'Ukraine est le contrôle de ce territoire et d'obtenir des concessions lors du prochain sommet de paix, soit par l'échange de villes, soit en utilisant la centrale nucléaire de Koursk comme monnaie d'échange. Et cette opération planifiée avec l'appui des États-Unis n'avait peut-être pas été validée par Joe Biden pour cette date précise. J'attire votre attention. Souvenez-vous que le gouvernement américain avait confirmé il y a quelques semaines que l'Ukraine préparait une attaque et Zelensky a insisté pour que Vladimir Poutine participe au prochain sommet de paix, sachant que cette opération était désespérée, mais qu'elle représentait quand même leur dernière carte à jouer. C'est pour ça que Joe Biden était mécontent et n'a pas voulu s'exprimer car il savait qu'une fois les troupes ukrainiennes repoussées ou battues en Russie, les États-Unis perdraient leur levier pour maintenir la Russie à la table des négociations. De plus, la Russie renforcerait la sécurité de son territoire et intensifierait ses attaques en Ukraine pour infliger des dégâts supplémentaires. Et cette incursion, pour moi, est un succès médiatique, car les médias français ne vous montrent que ce qu'ils veulent que vous voyez. Mais en 2 ans de conflit, ils n'ont jamais osé dévoiler la vérité de peur de démasquer leur propre propagande. Et avec cette offensive, Zelensky a perdu toute crédibilité et ne peut plus négocier. C'est terminé. Il vient de pousser la Russie à exiger que l'Ukraine devienne un état tampon et renonce à adhérer à l'OTAN même si Donald Trump prend le pouvoir en novembre. Poutine de toute façon refusera catégoriquement de restituer les territoires conquis au prochain gouvernement. Plus maintenant d'envoyer des missiles à Koursk tout en affirmant n'avoir jamais donné leur feu vert à Zelensky pour mener cette opération. Faut être honnête. Malgré les médias français qui s'empressent de présenter cette opération ukrainienne comme une réussite peut-être médiatique parce qu'ils en parlent tous les jours, il est évident que si les Ukrainiens ne parviennent pas à contrôler ou sécuriser la centrale nucléaire de Koursk, cette opération, comme l'ont souligné plusieurs médias américains, n'a ni sens ni but. C'est une tentative désespérée comme je l'annonce ici. Et tous ces événements prouvent à quel point Washington envisage déjà de remplacer Zelensky à la tête de l'Ukraine, afin peut-être de préparer des négociations avec la Russie. Zelensky ne semble pas mesurer le poids réel de cette guerre, et malheureusement, c'est l'Europe qui en subit les conséquences. Famille, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à envahir Koursk, et quelle est la situation actuelle sur le terrain en Russie? Raisonnons. Le 6 août 2024, les FAO ont franchi la frontière et envahi la région de Koursk. Près de 10 000 soldats et mercenaires ont pénétré sur le territoire russe, progressant rapidement grâce à la proximité immédiate de l'Ukraine. La région de Koursk partage une frontière directe avec l'Ukraine, comme vous le voyez sur la carte. Cette invasion a donc été facilitée par une surveillance relativement faible, car la sécurité des frontières est souvent assurée par des gardes frontières, des unités de police des frontières. La famille, c'est officiel, mais vous allez comprendre l'arnaque américaine. Allons jusqu'au bout. L'Allemagne a émis un mandat d'arrêt européen contre un plongeur ukrainien accusé d'avoir saboté le gazoduc Nord Stream. Berlin soupçonne maintenant que c'est Zelensky qui a ordonné la pose des explosifs. Mais ce qui est vraiment surprenant et intéressant, c'est que les médias américains sous l'influence du Deep State prétendent que l'opération aurait été financée par des hommes d'affaires privés, supervisés par Zaloushny et approuvée par Zelensky. Curieusement, cette fois, je vais défendre la marionnette Zelensky. À qui profite la destruction du Nord Stream? Pour répondre à cette question évidente, il faut se tourner vers Stratfor, l'entreprise dirigée par George Friedman, un expert qui a collaboré avec la CIA et plusieurs présidents américains. Friedman a été clair. Les États-Unis veulent à tout prix empêcher une alliance entre l'Allemagne et la Russie, car une telle alliance serait la seule capable de menacer leur hégémonie mondiale, surtout si des puissances comme l'Iran, la Chine et la Corée du Nord venaient à se joindre à cette équation. Soyons francs, les Européens n'ont jamais saisi que les États-Unis jouent leur survie et leur domination mondiale en assurant la soumission de l'Europe. Bien que l'Europe soit présentée comme un allié des États-Unis, mais ces derniers vous considèrent en réalité comme un rival, voire un ennemi potentiel. C'est pourquoi ils cherchent constamment à vous diviser et à vous en... Famille, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à envahir Koursk et quelle est la situation actuelle sur le terrain en Russie? Raisonnons. Le 6 août 2024, les FAO ont franchi la frontière et envahi la région de Koursk. Près de 10 000 soldats et mercenaires ont pénétré sur le territoire russe, progressant rapidement grâce à la proximité immédiate de l'Ukraine. La région de Koursk partage une frontière directe avec l'Ukraine, comme vous le voyez sur la carte. Cette invasion a donc été facilitée par une surveillance relativement faible, car la sécurité des frontières est souvent assurée par des gardes frontières, des unités de police des frontières
et parfois des forces spéciales en cas de besoin, mais pas par des troupes régulières de grande envergure. Donc, en moins de 48 heures, les FAO ont pris le contrôle d'environ 800 km² sans rencontrer de résistance significative, ce qui était logique, car le trajet entre Moscou et Kursk couvre environ 530 km, soit plus de 6 heures en voiture. Et pour les convois militaires, ce temps peut être encore plus long. Si les renforts devaient venir de Kaliningrad, ils auraient eu à parcourir 1338 km, soit environ 16 heures de route et beaucoup plus en camion militaire. Ce n'est pas la faiblesse de l'armée russe qui a permis cette incursion, mais plutôt l'indisponibilité des forces russes. Et compte tenu de la situation en Ukraine et la quantité limitée d'armement disponible, il est probable que Zelensky ait préparé l'opération depuis 1 ou 3 mois, parce que mobiliser un tel nombre de mercenaires et soldats et d'équipements ainsi que le renseignement ne peut pas être réalisé en seulement 10 ou 20 jours. Et les États-Unis ne peuvent pas dire à haute intelligible voix qu'ils n'étaient pas au courant. Maintenant, depuis que les forces russes ont atteint Kursk, examinons ensemble la situation. Selon la carte de l'Institut pour l'étude de la guerre, du 7 au 11 août, l'incursion ukrainienne était active et progressait et SCI était même heureux. Mais dès le 12 août, elle a commencé à perdre de son élan. C'est devant vous. Bien que les avancées ukrainiennes se produisent encore sporadiquement, il faut le reconnaître quand même, elles sont systématiquement bloquées. Pour le gouvernement russe, la priorité a été d'évacuer les citoyens, une tâche complexe réalisée en quelques jours. Mais une fois cela fait, l'objectif a été de stopper l'avancée des FAO, puis ils en parlent tous les jours. Il est évident que si les Ukrainiens ne parviennent pas à contrôler ou sécuriser la centrale nucléaire de Kursk, cette opération, comme l'ont souligné plusieurs médias américains, n'a ni sens ni but. C'est une tentative désespérée, comme je l'annonce ici. Et tous ces événements prouvent à quel point Washington envisage déjà de remplacer Zelensky à la tête de l'Ukraine, afin peut-être de préparer des négociations avec la Russie. Zelensky ne semble pas mesurer le poids réel de cette guerre, et malheureusement, c'est l'Europe qui en subit les conséquences. Bref, informez-vous ailleurs, utilisez même Google Traduction, c'est là que j'ai compris quelque part que SCI, c'est une arnaque. Allez, see you la famille. De guerre, le MiG-41 sera un intercepteur hypersonique redoutable, capable d'abattre des missiles hypersoniques ennemis. Le MiG-41 pourrait même échapper au système de détection ennemis, réduire sa signature radar et exécuter des manœuvres d'évasion complexes pour éviter d'être touché par des missiles ou des tirs ennemis. Le MiG-41 pourrait potentiellement engager et détruire des satellites en orbite basse. Il est bon de rappeler que la Russie excelle dans les technologies furtives depuis le 20e siècle. Et le premier vol de ce chasseur, le Ghost, est prévu pour 2025. Qu'est-ce que vous en pensez? En utilisant la centrale nucléaire de Kursk comme monnaie d'échange. Et cette opération planifiée avec l'appui des États-Unis n'avait peut-être pas été validée par Joe Biden pour cette date précise. J'attire votre attention. Souvenez-vous que le gouvernement américain avait confirmé il y a quelques semaines que l'Ukraine préparait une attaque et Zelensky a insisté pour que Vladimir Poutine participe au prochain sommet de paix, sachant que cette opération était désespérée mais qu'elle représentait quand même leur dernière carte. Un média américain n'a ni sens ni but. C'est une tentative désespérée comme je l'annonce ici. Et tous ces événements prouvent à quel point Washington envisage déjà de remplacer Zelensky à la tête de l'Ukraine, afin peut-être de préparer des négociations avec la Russie. Zelensky ne semble pas mesurer le poids réel de cette guerre, et malheureusement, c'est l'Europe qui en subit les conséquences. Bref, informez-vous ailleurs, utilisez même Google Traduction, c'est là que j'ai compris quelque part que SCI, c'est une arnaque. Allez, see you la famille.